Ça va? Donc, on ne va nullement toucher au routage. Donc, le routage n'a rien à voir ici, n'est-ce pas? Donc, on va simplement modifier donc, la configuration BT. La définition donc, des VLAN, ainsi que la définition donc, des. L'affectation des ports. Le Virtual Trunking Protocol. C'est un protocole d'agrégation utilisé par les routeurs, par les switches Cisco, donc et par toutes les PPE compatibles TTP, permettant donc d'automatiser simplement la création donc, des VLAN. Donc c'est à l'image du service protocole DHCP. Donc, le protocole DHCP permet d'octroyer des adresses IP de manière dynamique. Le protocole BTP permet d'octroyer la définition du dictionnaire des VLAN au client BT VTP. Par hasard, tu n'as pas lancé une application web, un service web? Si. Si un service web est déjà lancé, il peut utiliser le port 8400. Vérifie d'abord. Si c'est Internet. C'est quel service? Tu n'as pas lancé WAMP ni quelque chose comme ça? Non, non, non. Par exemple, si vous utilisez une application qui utilise donc le service web, donc il se pourrait que cette application utilise donc le port 8000. Et dans ce cas, lorsque vous lancez par la suite GNS, donc là il y a un problème, vous pouvez connecter sur le local post. Il ne reste que PC6. Ok, c'est bon. Voilà. Ok, on y va. Bon, suivez d'abord, suivez attentivement, s'il vous plaît. Ok, affichez la configuration VLAN de ce switch. Show VLAN switch. Donc, VLAN switch dans GNS. Si c'est dans le paquet de ça, c'est VLAN simple. Donc là, on a donc 3 VLAN qui ont été, voire 4 VLAN qui ont été créés. Donc étudiant, prof, secrétaire et gestion, n'est-ce pas? Donc étudiant, voilà, avec les ports qui ont été affectés à ces différents VLAN, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va supprimer tous ces VLAN, n'est-ce pas? On y va? Pour supprimer un bien, c'est quelle commande? On fait le nom. Pour créer un bien, qu'est-ce qu'on fait? VLAN. On donne le nom. Le nom du? Le nom du VLAN. VLAN plus espace de numéro de VLAN. Numéro, oui. Pour supprimer un bien, c'est simplement nom, VLAN. Mais au préalable, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra réaffecter toutes les ports au VLAN 2. Gestion qui est le VLAN qui ne peut pas être supprimé. Allez. On commence par. Au préalable, qu'est-ce qu'il faudra faire? Parce que, regardez, tous ces ports ont été affectés aux différents VLAN créés.
N'est-ce pas? Dans un premier temps, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra prendre toutes ces vilains, doubler toutes ces forces, les réaffecter aux vilains d'origine, c'est-à-dire les vilains par défaut, et supprimer donc les vilains. N'est-ce pas? Bon, je vais vous donner un exemple. Dans un premier temps, spécialement les vilains. Donc en conflit, donc là il faudra mettre nos vilains. Oui. Tout d'abord, il faudra mettre into F. C'est donc les portes F à 1, 0 jusqu'à 15. Donc on met int first range F à 1 slash 0, il est 15. N'est-ce pas? Donc, yep. On met switch core d'abord. Non, switch core pour désactiver toutes les configurations de suivez switch core, n'est-ce pas? Switch core, maintenant, non, switch core. Et on le met pour dire compter. Yeah. Est-ce que vous suivez là? Oui. Par la suite, on va dire config. Switch port. Mode access VLAN 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 par défaut VLAN 30 VLAN pour temps. C'est bon, ça c'est VLAN par défaut. Une fois ça terminé,